Erasmus Day au lycée Clément Ader de Bernay sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue au cœur de ce mois d'octobre où se sont tenus les Erasmus Days, trois journées de célébration du programme Erasmus+, de la mobilité et plus largement de l'Europe, il était question, avec un objectif, mettre en avant le plus d'acteurs de ce programme Erasmus+, ainsi que les acteurs de la mobilité, vous en doutez, à travers des actions de valorisation de leurs choix, et afin de témoigner de l'impact de leur projet sur le territoire. Et on est encore ici, vous l'avez peut-être remarqué grâce à ce décor, dans le restaurant d'application du lycée Clément Ader à Bernay, avec deux nouveaux invités, puisqu'en compagnie d'Agnès Chospin. Bonjour Agnès, vous êtes professeur en économie gestion ici sur l'établissement. Vous n'êtes pas que ça, vous en donnerez plus de détails dans un instant. Et puis on retrouve Didier Hochet qui était avec nous il y a quelques temps, qui est toujours professeur ici à Clément Ader et qui enseignait système numérique, ni plus ni moins. Occasionnellement. Entre autres. Alors, d'abord, parce qu'on arrive quasiment au terme de l'ensemble de ces magazines qu'on a proposés sur l'antenne, le retour que vous en avez de ces journées Erasmus, j'allais dire celle qui vient pratiquement de s'achever, mais celle aussi d'avant, puisque vous participez au programme depuis déjà un certain temps. Alors, effectivement, déjà par rapport à aujourd'hui, moi je suis très satisfait parce qu'on a des élèves qui ont exposé ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu partager. Et là, je crois que c'est effectivement très important parce que c'est aussi eux qui sont au centre de ces actions. On a aussi des collègues qui ont participé à des stages d'observation et qui ont pu témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont découvert. Et là, je crois que le pari est gagné. C'est vraiment ces Erasmus Day, c'est pour faire connaître toutes ces choses, tout ce qui se passe au niveau d'Erasmus, au niveau des établissements. Et là, je crois que autour d'un moment de convivialité, comme il y a eu le brunch partagé, tout ça, je crois qu'on a vraiment réussi notre objectif. C'est communiquer, faire partager, sensibiliser et puis décider éventuellement les derniers indécis qui se diraient qu'ils iraient bien mais qu'ils attendent un peu qu'on leur en parle un petit peu plus. Voilà, il y avait des chefs d'établissement d'autres établissements qui ne participaient pas à certains projets et qui se disent ce serait peut-être bien que mes enseignants y participent, que moi j'y participe, qu'on puisse se joindre à des projets et qu'on puisse y participer, enfin, puissent vraiment s'investir dans ce genre de démarche. Agnès, vous êtes donc enseignante, prof d'éco-gestion en anglais ? Ou du moins, une partie de vos cours sont donnés en anglais ? Tout à fait. Donc, une partie de mes cours sont donnés en anglais dans le cadre des sections européennes, donc aux trois niveaux, seconde, première et terminale. Les élèves qui le souhaitent, c'est avant tout une démarche volontaire de la part des élèves. Les élèves qui le souhaitent donc, vont avoir par semaine un cours dans l'enseignement professionnel en anglais et un soutien en plus en anglais. Donc c'est déjà une démarche volontaire de l'élève et voilà, qui pour les préparer à la mobilité. Hein, l'objectif est quand même la mobilité à l'étranger. Donc on les y encourage. Et ils ont effectivement les retours maintenant de certains élèves qui ont déjà pratiqué ces mobilités. Donc tout ça, ça crée une belle dynamique. Et les parents sont aussi enthousiastes quand on expose maintenant, lors des pré-inscriptions au lycée, quand on présente les projets des sections européennes, les parents adhèrent de plus en plus, il faut le reconnaître. On va y revenir dans un instant. Je reviens moi sur votre spécificité. Éco-gestion en anglais, ça faisait partie du programme ou c'est quelque chose que vous avez aménagé? Vous êtes dit que ça serait intéressant que je puisse booster à ce niveau-là. Tiens, certains élèves, ça peut aussi les aider dans leur démarche. Ok. Alors, juste ma démarche personnelle, c'est-à-dire 15 ans dans un service export dans une entreprise, ont fait quand je suis devenue enseignante. Ma volonté. Vous êtes arrivée enseignante après, donc. Ma volonté de, dans mes cours, d'intégrer les langues étrangères que je pratiquais dans mon précédent métier. Donc nous faisons valider notre niveau en langue étrangère. Il faut aussi le préciser, nous avons un examen, nous subissons un examen qui valide notre niveau de langue, il faut aussi le préciser quand même. Et donc avec cette validation du niveau de langue, on avait la volonté, et puis grâce à monsieur Didier Hochet qui est arrivé au lycée et qui nous a insufflé cette volonté là, volonté d'emmener nos élèves en mobilité à l'étranger. J'étais archi partante parce que c'était vraiment une volonté et on a eu cette chance. Donc j'avais vraiment envie de faire profiter de ça à nos élèves, donc, et d'enseigner une partie de nos cours en anglais. Je pense qu'il faut d'abord, en tant qu'enseignant, avoir une certaine facilité et la,
et comment dirais-je, la motivation, mais l'envie de faire partager ces langues avec nos élèves. Oui, il faut aussi rester humble. Je veux dire, l'anglais dont on a besoin pour des élèves comme les nôtres, c'est vraiment de l'anglais basique, de communication et d'être capable de se débrouiller avec les mots qu'on a. Et on ne demande pas un anglais ultra performant, c'est vraiment de l'anglais usuel. À préciser que pendant nos cours là, de DNL, je disais 2 heures par semaine, ce qui demande un effort à l'élève, il faut le dire, mais pas de notes pendant ces 2 heures. On a des façons de faire qui sont... on utilise beaucoup les jeux. Par exemple, dans ma matière, ce sont des sketchs de vente. Et on ne va pas mettre, entre guillemets, la pression à l'élève. On va lui demander d'avoir le smile, d'être volontaire, et le reste va suivre. Alors, on garde l'attitude et mise en pratique à travers ces projets Erasmus. Et donc, vous partez en Angleterre avec des étudiants. Ça se passe comment ? Donc une préparation de la mobilité avec rencontre avec les familles pour gérer les aspects la logistique, on va dire. Et bon, donc nos élèves partent, je dirais, quasiment gratuitement. Les familles fournissent l'argent de poche, donc ce qui est vraiment une opportunité. La totalité est prise en charge par le programme Erasmus. Par les fonds Erasmus, c'est une opportunité déjà magnifique pour nos élèves, ça ne coûte quasiment rien aux familles. Et donc, la recherche de stage qui est effectuée souvent par le biais d'agences qui nous aident. Et puis, nos élèves partent et on les accompagne au départ. En général, les enseignants vont les accompagner pendant une semaine pour vérifier que tout se passe bien dans les familles. Et puis aussi, la compréhension se fait bien au niveau de l'entreprise. Ils partent un mois. Ils partent quand même 4 semaines, donc c'est quand même pas négligeable. À 16, 17, 18 ans, c'est quand même important. Oui, et on voit, depuis qu'on le fait, on n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de problème avec un élève qui nous dirait au bout d'une semaine qu'il soit en pleurs et qu'il veut rentrer. Jamais. Et il y a l'effet groupe. Et puis aussi, l'agence sur place est un bon relais pour aussi accompagner nos jeunes. Ça se passe toujours très bien. Il y a eu l'Angleterre et la Finlande. L'Irlande. Il est parti en Finlande. Ouais. Voilà. Mais il y a aussi l'Irlande. Là, c'est aussi, même si ce sont des pays évidemment anglophones, il y a aussi des cultures différentes. C'est aussi l'occasion de pouvoir partager ça, découvrir, partager ça. L'exemple le plus flagrant, c'est le repas du midi. En Angleterre comme en Irlande, le midi, on mange sandwich, on ne prend pas le temps de déjeuner. Et ça, nos élèves, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils ont quand même l'habitude, effectivement. Alors que le matin, c'est des... élèves, nos jeunes, eux, n'ont pas l'habitude de déjeuner. Donc quand ils se retrouvent le midi où il y a peu de choses... Décourageons pas nos auditeurs, monsieur Hocher. Tout se passe bien. On les nourrit bien, nos élèves. Tout va bien. Mais quand ils rentrent, ils sont contents de retrouver la baguette et le camembert. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est sûr qu'en Irlande, vous en aurez un peu moins. Et en Angleterre aussi. Vous avez une section européenne ici ? On en a deux. On a une en système numérique. Donc moi, je suis le pendant de Daniel. On a été très très longtemps, on s'amusait en co-animation à faire des cours tous les deux. On se faisait plaisir, on l'avoue. C'est vraiment un moment sympathique. Et pour des raisons d'emploi du temps, ça a été plus compliqué. Mais moi, sur les systèmes numériques, Agnès, sur les commerces, on les prépare effectivement à ce que ils soient capable de répondre à un mail, de prendre le téléphone, de communiquer avec une personne qui est en face d'elle. Pour ma part, on a une boutique pédagogique et donc les élèves, on joue aux clients et aux vendeurs et on pratique nos phrases régulièrement pour être le plus à l'aise en face d'un vrai client anglais. Anglophone. Alors, je ne doute pas que tous les deux, vous avez toujours envie de partir, mais vous êtes prêts à récidiver avec les élèves, à repartir dans ce format-là ? Je pense qu'on est des fondus de la mobilité et on pense que ça fait partie de la vie d'un élève et de notre vie aussi, parce que faut pas se voiler la face, ça nous fait aussi du bien de sortir du lycée et de voir ce qui se passe ailleurs. Donc je pense qu'on est vraiment axé vers cette ouverture. Agnès, un dernier mot, vous allez faire, on fait ça au débeauté pour finir en anglais. Si vous pouviez traduire la phrase en disant merci d'avoir suivi ces magazines et retrouvez-les sur radiosensation.fr. Allez-y. So thank you for being with us today and we will meet again on the Radio Sensation magazine. Website, yes, on the website. On the website. Voilà, yeah. radiosensation.fr. Merci, j'aurais pas mieux fait. You're welcome. See you soon. Donc, et je crois qu'il y aura un dernier rendez-vous magazine. Et là, on partira à Pont-Audemer. On était aujourd'hui à Bernay. On aura deux collègues de Pont-Audemer. Donc voilà, la boucle sera bouclée. On aura été faire le tour
des différents environs avec ce programme Erasmus, vous l'avez compris.